des nouveaux attributs qui viennent couronner le fruit d'un dur labeur. À l'occasion de la 136e édition de la Fête du Travail, le personnel du Koumgouchet rafle les médailles. Une satisfaction pour le top management de cette structure qui, malgré la pandémie de COVID-19, a su maintenir le cap. Après Covid et tout ce que nous vivons, avoir l'honneur, n'est-ce pas, de vivre cet événement avec les employés qui, pour certains, prennent 3 médailles, 2 médailles pour certains et 1 médaille pour d'autres, de marquer une sorte de reconnaissance auprès des employés méritants, ça ne peut qu'un signe de satisfaction pour le promoteur que je suis. Le groupe Gauchette s'impose au Cameroun. Il est le représentant exclusif des marques telles que Dino, Ovaltine et Bridella. Il dispose également d'une industrie agroalimentaire spécialisée dans la production de jus de fruits naturels de la marque Tampico. Les yaourts à boire et les instantanés, quant à eux, sont des articles de la marque Tino. Le groupe leader en matière d'importation et de distribution des produits agroalimentaires génère près de 400 emplois directs et 1000 emplois indirects. Nous recrutons des jeunes Camerounais à la recherche d'emploi et nous détectons les talents que chacun vient exprimer. Les gens qui ont été honorés aujourd'hui sont essentiellement des jeunes. Nous promulguons de vivre ensemble parce que parmi nous, il y a les ressortissants de toutes les régions. Nous avons fait venir des collègues qui sont à Maroua, de Bafoussam, de Bétoua. Tout à l'heure, nous allons continuer la fête. Du côté des récipiendaires, la joie est à son comble. C'est un sentiment de fierté. Vraiment, je vais féliciter l'entreprise pour cette reconnaissance. Je suis très très content, très très fier. Je suis à 20 ans de service, donc je suis très très content. Moi, je travaille bien avec le patron. Je n'ai pas eu le problème dans le travail. Jusqu'à j'ai eu la médaille, là, je suis content. Et j'ai dit merci. Rappelons que Promodis Afrique, la première entreprise du groupe Gauchette, a été créée en 1997. Au fil du temps, First African Company et First African Logistics SAL sont entrés dans la famille. Un groupe qui a su se hisser au sommet dans un environnement concurrentiel.